On y est, balle de match, balle de Coupe Davis. 16 ans après. La balle de match de Nicolas Escudé pour Wayne Arthur sur la Rendezvous Arena à Melbourne. Eh bien, elle est là. C'est fait. Elle est là, la 10e Coupe Davis de l'équipe de France, et cette attitude qu'on voulait voir, qu'on voulait tellement revoir de nouveau, 16 ans après, toute l'équipe de France autour de Lucas Pouille, qui craque complètement, et on peut le comprendre, chez lui, dans le Nord, devant ses amis, devant sa famille. C'est lui, à 23 ans, qui amène la Coupe de France, la Coupe Davis à la France. Il y avait une responsabilité vraiment très très grande sur ses épaules. Il n'a pas craqué, il a joué son meilleur tennis au meilleur moment. C'est un grand champion. Pour Lucas, qui va saluer le clan belge. Il peut aussi féliciter hein, vraiment tout le clan belge. Deux finales en 3 ans, exceptionnel. Ça a montré beaucoup de choses. Mais là, c'est la France qui gagne. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Et ça va faire du bien à tout le tennis français. Cette victoire tant attendue. On peut féliciter aussi voilà, le staff de l'équipe de France. Kiné, Gigi, Loïc Courteau. Voilà, dans les bras de son entraîneur aussi, Yannick Noah qui a cherché Joe Fitzunga. Ces larmes-là, on aime les voir, hein, encore parfois, on était vraiment ravagé de voir que les Français n'y arrivaient pas. Et oui, Bernard Montalban, Olivier Choupeau. Et ben voilà. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est ces larmes-là qu'on aime, et oui. Jean-Jacques Poupon, le cordeur officiel. Et Richard Gasquet, qui lui aussi l'attendait tellement, cette Coupe Davis, on l'avait promis à cette génération-là, et il a fallu attendre qu'ils aient plus de 30 ans pour enfin être récompensés. Après 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 et 1932, les mousquetaires, les premiers. Il a fallu attendre 1991, après 1996, 2001, et donc il y aura 2017 au palmarès de cette Coupe Davis. Décidément, les Belges, eh bien, n'y arrive pas non plus. Troisième finale jouée par cette belle équipe de Belgique et troisième finale perdue. Voici donc le récapitulatif pendant la Marseillaise.